Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, nous accueillons un groupe qui nous vient de l'île de Tiga, sommaire. Le groupe TOC, diminutif de Tocanode de l'île de Tiga, est avec nous sur le plateau de Yes Weekend et nous sommes très heureux. Nous allons ensemble découvrir ce groupe formé récemment. Pas de Yes Weekend sans Stéphanie Barlier, on ne perd pas les bonnes habitudes. Elle est avec nous pour les perles du web, le jeu et les idées sorties. Regardez. Et j'étais déjà en train de danser, moi. J'aurai également le plaisir de vous présenter le magazine de samedi soir inédit de Calédonia. Ce sera magazine Histoire d'Histoire avec sa nouvelle présentatrice Lou Lourdes que vous avez derrière moi. On en parle tout à l'heure, mais sans plus attendre, on va écouter le groupe TOC pour son premier live sur la scène de Yes Weekend. C'est à vous. Viens sur le plateau de Yes Weekend. Merci à toi. Viens me rejoindre. Tu vas bien ? Bien, merci. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, dis-moi tout. Présente-nous un petit peu la formation TOC. Pour le coup, la formation, elle est restreinte. Réduite. Donc, du coup, là, c'était Kocha au chant et à la guitare aussi avec moi. Et habituellement, on est quatre sur les scènes.
Donc Joe à la batterie, de Joe Yekawe qu'on ne présente plus. Et Rodrigue Yekawe, donc multi-instrumentiste, clavier, batterie, anciennement batteur de Ekoten. Et on a en guest star aussi de temps en temps un petit neveu, Renaud Yekawe aussi, qui vient faire du sax. Et aussi Gabriel Uregei. Okay. Et qui est aussi bassiste quand Kocha passe à la guitare. Voilà. Tox, c'est, voilà, comme tu dis, hein, on a des grands noms. Bon, c'est un bien grand mot aussi. Hein. Faut, voilà, je pense, mais en tout cas, merci. Et puis, bon, voilà, on a aussi ces générations qui forment aussi Tox. Donc, tout à l'heure, je parlais de Jojo, qui sont arrivés sur la scène musicale bien avant nous. Ce sont nos papas. Moi, j'y suis. Et derrière, ben, on a les petits neveux et les petits frangins. Donc, du coup, voilà, on a tous. Je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu cette saveur musicale, ce mélange générationnel, on va dire, qui opère voilà, une magie que la musique procure. Hein. Exactement. Pourquoi avoir voulu créer un nouveau groupe, le groupe Tox? Ben, moi, personnellement. Il a 2 ans à peu près, hein, c'est ça? Ça fait voilà, 2 ans que vous êtes créé. Voilà. Il aura 3 ans au mois d'octobre, tu vois. D'accord, 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. Donc le groupe, à la base, il s'était créé par rapport... Voilà, moi, j'étais musicien du groupe Ekoten. Et donc, bon, voilà, moi, j'ai voulu faire quelque chose, un projet un peu plus personnel, tu vois. D'accord. Et puis, ben, jouer des choses qui me plaisaient. C'est pas que je me plaisais pas dans Ekoten, mais voilà, là, je joue des textes que j'ai écrits moi-même, une musique que moi-même j'ai composée et arrangée. Donc du coup, c'est ça aussi le... Voilà. Et puis, ben voilà, Tox, c'est... voilà, comme tu dis, c'est un nouveau groupe, c'est un jeune groupe aussi, qui débarque sur la scène musicale et puis qui essaie de faire sa place. Ce petit grain de sable qui essaie de se placer sur la belle plage musicale qu'on a déjà ici sur belle le pays. Belle plage qu'elle a donnée. Ouais. Dis-moi, Yann, du coup, juste 2 mots du groupe Ekoten. C'est comment? C'est en sommeil? C'est... Ben, en arrêt. Le groupe Ekoten, il est un peu, comme je disais tout à l'heure au plateau, ils sont tous les dispatchés, quoi, tout le monde est dispatché. Voilà, pour des raisons professionnelles. Et puis, ben voilà, après, ce qui amène à. Ben voilà, le marché de la musique aussi ici ne rapporte pas beaucoup. Oui, ben ça, c'est sûr. Voilà, c'est. Voilà, par les droits d'auteur et tout ça, ben voilà, jouer sur une scène, ce n'est pas constant. Donc du coup, ben voilà, on privilégie plus d'avoir un salaire qui suffit à. Ben voilà, maintenant, les choses ont évolué aussi au niveau des familles. Donc tout à l'heure, on parlait de raisons professionnelles, mais c'est inclus aussi la famille. Parce que voilà, du coup, à côté, il faut qu'à la maison, on vienne aussi. Et avec la crise qu'on a traversée, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Donc ben voilà, nous, les musiciens, les artistes, ben, on est un peu. Comment on dit ça, on a le couteau sur la gorge, mais tout le monde. Je veux dire, tous les secteurs confondus sont touchés par cette crise sanitaire. Il y en a plus que d'autres. Voilà, il y en a plus que d'autres. Donc moi, je veux dire, personnellement, voilà, il ne faut pas trop se plaindre, parce qu'on a pire ailleurs. Hein. Oui, c'est sûr, il y a toujours pire ailleurs. Voilà, il y a toujours pire ailleurs. Donc du coup, il faut partir sur ce principe-là, qu'il faut penser qu'il y en a pire ailleurs pour qu'on essaie de... Voilà. Tox vient de Tiga, on l'a dit. L'île de Tiga, c'est une île de musiciens. Pourquoi? Voilà, en quelques lignes, c'est la plus petite île de la Calédonie. Mais... Voilà. On a cette légende-là qui parle de. Voilà, vite fait. Hein, des deux guerriers qui partent chercher de l'eau parce qu'à une époque, on avait une grande sécheresse sur l'île de Tiga. Donc il fallait absolument que la population puisse boire de l'eau, parce qu'on sait que voilà, 80%, 90% du corps est formé d'eau. Et du coup, ben voilà, ces deux guerriers, valeureux guerriers partent, ils arrivent à une grotte, il y a 2 entrées, donc l'un va sur la droite, l'autre sur la gauche. Et là, celui qui va sur la gauche, ben, il arrive sur des petits nains, des petits lutins chez nous, donc qu'on appelle les Moyahats, qui viennent, qui entendent cette musique, qu'il a... charmé, subjugué, Et du coup, ben voilà, leur mission de départ initiale qui était d'aller chercher de l'eau a été totalement déroutée, on va dire, entre guillemets, du fait qu'il ait écouté sa musique. Et du coup, il a réussi à convaincre son ami, l'autre guerrier qui était allé avec lui, pour venir, puis voilà. Et les lutins, ben voilà, il leur pose la question, qui dit, que voulez-vous choisir? Ben, la musique ou l'eau? Et du coup, ils ont pris la musique. Et jusqu'à aujourd'hui, à Tiga, ben,
Voilà, on s'en plaint pas. Hein, ben voilà, en 21e siècle, à l'heure où on parle minute pour minute et seconde pour seconde, ben voilà, on boit l'eau de citerne, on récolte l'eau de pluie. Quand on en a qui râlent parce qu'il y a une semaine de pluie, nous, à Tiga, c'est, voilà, on est heureux. Ok, ok. Et c'est de là que, c'est de là que viennent de, tous ces talents. Parce que voilà. Des talents, ben, tu vas nous en citer quelques-uns, mais il y en a énormément. Voilà, il y en a énormément. Il y en a qui sont sur le devant de la scène. Après, il y en a qui n'osent pas aller sur le devant de la scène, mais qui sont, voilà, ce sont des pépites aussi, tu vois. Ils sont, mais partout dans le pays, hein, tu vois. Moi, là, on parle de Tiga, mais je pense ailleurs, c'est comme ça. Donc voilà, on en a qui aiment bien être à la lumière, puis on en a qui aiment bien, voilà quoi. Les hommes de l'ombre et les hommes de la lumière. Oui, puis on voit le chanteur, mais il y a aussi tous les musiciens. Voilà, tous les musiciens. Les guitaristes, les batteurs. C'est tous les groupes de musique qu'ils font ici, c'est ça. Donc on a un groupe, on voit le groupe, mais derrière tout ça, il y a une structure, il y a un accompagnement, voilà, familial et tout ça qui fait que, ben voilà, le groupe peut aller de l'avant. Peut aller de l'avant. Merci beaucoup Yann. Juste avant d'accueillir Steph pour sa rubrique Les Perles, comment tu as vécu, on a parlé un peu du Covid, comment tu as vécu le confinement toi? Ben, à la maison avec les enfants comme tout le monde d'ailleurs, hein. Et puis respecter les règles et puis voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on traverse une période dure, hein. Et puis c'est nos habitudes qui changent, nos comportements. Mais bon, faut pas que ça, je veux dire, tout le monde prenne ça mal, quoi. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Il faut s'abstenir, si on peut s'abstenir, pendant une année, si on peut s'abstenir de, voilà. Tu as vu, là, le Covid-19 est arrivé, bon, condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, mais voilà, le Covid-19 est arrivé, la planète a respiré. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. De l'autre côté, si on retourne la chose, ben nous, on n'a pas... Pensez aussi aux arbres qu'on a détruits, à toutes les espèces d'insectes qui sont parties. Là, dernièrement, les incendies en Australie qui ont coûté la vie à des êtres, ouais, des espèces peut-être endémiques à l'Australie. Voilà, c'est pour en citer quelques-uns d'exemples, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, j'encourage le peuple calédonien à respecter les directives du gouvernement, les personnels de santé. Et puis, au passage, féliciter et saluer le personnel de santé qui met tous les moyens activement pour que on puisse être en bonne santé. En bonne santé. Merci beaucoup. Un peu de musique pendant ce confinement? Tous les musiciens ont profité. C'était bien le confinement aussi, ça a permis de créer et puis de se remettre en question parce que la musique c'est bien, mais faut pas se rouiller parce qu'on a déjà, on a déjà une génération de musiciens qui arrive derrière, qui pousse à ça te met quelques petites gifles musicales, on va dire. Et bien justement, les artistes calédoniens, ils ne se sont pas tournés les pouces pendant ce confinement. C'est ce qu'on va découvrir dans la rubrique de Steph, Les Perles. Bonsoir. Steph qui arrive de loin. Oui, très loin. Alors effectivement, les artistes calédoniens, mais aussi du monde entier, hein, parce que la musique redonne un peu du baume au cœur. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, ils se sont tous mobilisés pour nous divertir via les réseaux sociaux, donc avec différents concerts virtuels, je dirais. Et au pays, c'est vrai que les artistes, qu'ils soient rester en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger. Donc, ils ont continué de nous divertir, continué d'apporter un peu de réconfort et un peu de joie parce que ce n'était pas une situation facile pour tout le monde. Et c'est notamment via cette page Facebook, dont je vais là, donc celle-ci, donc The Confinement NC. Donc, on peut retrouver tous les concerts en fait virtuels des artistes donc du pays. C'est une page qui a été créée par trois artistes, Léon Guatotti, Manouchka et Wegler. Donc il y a eu un certain nombre de petits concerts, donc je vais vous en faire découvrir quelques-uns. Sure. Donc c'est parti, donc il y a celui-ci, donc c'est une reprise, donc c'est un cover de Man in the Mirror, donc de Michael Jackson, sorti en 1988. Et donc une reprise de Dina, Mess, Ox et Vanessa Quay. Donc okay. C'est parti, on va regarder ça. Écoutez, je vais mettre en grand. Alors, là. A selfish kind of love. It's time that I realize that there is some. C'est une chanson qui fait réfléchir aussi, hein, parce qu'elle nous dit que c'est vrai qu'après cette période de confinement, beaucoup voudront changer la société. Et celle-ci nous dit vraiment que, au lieu de vouloir changer ce qu'il y a autour de nous, on ferait mieux de regarder d'abord chez nous et de changer nos attitudes. Ce que Yann a dit, hein, nos attitudes et nos habitudes. Tu
rectification. C'est pas Ox, c'est Axe. Axe, oh là là, merci bien. C'est mon petit beau-frère. D'accord, ok. Parce que tu sais que Stéphanie, elle est trop à l'américaine. Ouais. Elle voit tous les jours, les cheveux grands. Ox. Axe. Axe. Je m'excuse. Donc voilà, donc je poursuis, si vous voulez bien. On va bien continuer. Sûr. Alors c'est parti. Tac. Ok. Là. On va quitter ici. Donc il y a eu d'autres vidéos. Donc il y a eu aussi Vévélan, qui était venu sur notre plateau d'ailleurs. Exactement. Donc voilà. Donc c'est une petite dédicace aussi aux Calédoniens qui sont à l'étranger. Ça arrive. Hein. Tu maîtrises de mieux en mieux cet outil, Stéphanie. Oui, alors on va avancer un peu quand même. Donc voilà. J'enchaîne. Ouais. Magnifique chanson. Allez, ouais. On poursuit. Donc ça, c'était des moments live, en fait. Voilà, c'est ça. Ok, super. Il y en a pas mal, hein. On pourrait faire jusqu'à... Donc il y a Christophe, que j'aime bien aussi. Ok. J'ai sélectionné un peu en fonction de... Hein. Voilà. En fonction de tes goûts, quoi. Bah oui, forcément. Donc du coup, Christophe, alors c'est en IAI. Hop, allez. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tac, tac, tac. Ça, on va mettre là. Et voilà. En tout cas, si vous voulez redécouvrir ces petits concerts live, et ben vous allez sur cette page zikconfinement.nc, enfin nc pardon, et puis vous pourrez revivre tout ça parce qu'il y en a pas mal. Hein. Super, zikconfinement.nc. Zik, voilà. Ok, super. Ben merci, merci, merci. Merci, hein, c'est pas l'américaine ça par contre. Merci Steph. Ben du coup je vais te dire Yann de retourner parce que c'est l'heure de votre deuxième live. Ok. Donc vous pouvez vous mettre en place. Je retourne en même temps que... Oui exactement, tu peux accompagner notre invité. D'accord, si je peux juste préparer pour tout après. Bah, prépare pour tout à l'heure, en fait tu sais jamais ce que tu veux faire. Voilà, ben non, c'est ça les femmes, non? C'est exactement ça. Merci beaucoup à toi Stéphanie pour nous avoir présenté cette page sur les réseaux sociaux et puis on va écouter le deuxième live de notre groupe invité du jour, TOC. Écoutez bien. It's
said, oh, men know they tend it. Some men know they aboye. So she need your own. Or hitting that zero, young. They go in and out for them. Super chanson. Merci beaucoup à tous les deux. Yann, viens me rejoindre sur le plateau. Quelle belle musique. On va parler un peu de vos influences maintenant. Ouais. Vous, elles sont, vu ce que je viens d'entendre, elles sont multiples. Hein. Oui, multiples. Ben, j'aime à dire, quand on est voilà, partout, tout le monde nous pose la question, quelles sont nos influences? C'est comme on dit les mathématiques. Je pense que la musique, il faut les mettre au pluriel. Il faut dire les musiques. Parce que la musique seule, c'est, pour moi, c'est faux, entre guillemets. Hein. Dire le jazz, c'est aussi beau que la soul, c'est aussi beau que, tu vois, que le reggae, que le dance, le voilà, compas, que voilà, toutes les musiques qui inondent le marché musical. Donc voilà, dire que telle ou telle musique, c'est, voilà, moi je dirais, les musiques sont belles, toutes les musiques sont belles. Donc pour revenir à ta question, les influences. Voilà. Donc c'est très soul, jazz. Oui. Et ça, puis ça voilà, qu'on entend. C'est toutes ces musiques qui nous parlent, tu vois. Donc, le Kaneka, ça en fait partie également. Le Kaneka, j'ai rien contre, mais moi je suis pas trop Kaneka, tu vois. D'accord. Mais j'encourage la mouvance, le combat qui est fait pour justement faire émerger, émanciper la musique Kaneka, tu vois. Alors pourquoi toi tu es pas trop. Parce que moi je suis, moi mon combat il a pas encore commencé. Dans le fait que ben moi je veux faire sortir la musique de chez moi. Nous on a ce rythme là, le chap music, okay. Tu vois, qui n'est pas sorti. On a ne serait-ce que posé la seule pierre déjà, tu vois. Même réfléchi ou pensé à la faire émanciper, tu vois. On a essayé, mais bon voilà, c'est pas encore, tu vois. Moi je veux dire, voilà, Kaneka a déjà 30 ans d'avance, bientôt 40 ans. Ben là le chap music arrive et puis voilà. Comme je dis, mais nous on a, c'est le même combat, c'est de faire émanciper la musique du pays. Le chap music, c'est ce que tu, ce que tu définis. Voilà ce que je définis là, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qui nous colle, tu vois, par rapport à la légende. Mmh. C'est toutes ces coïncidences là, tu vois, qui parlent du Nene Wacho, les deux guerriers qui étaient partis, qui arrivent, donc les lutins qui font, et du coup le Nene Wacho qui part sur un, tu vois. Si voilà, on parle vraiment musique, rythmiquement musique, tu vois. Mmh. Donc là, on parle de la, c'est une musique dite binaire, tu vois, c'est du 4-4. Sur une interprétation ternaire, tu vois, les musiciens, ben voilà, ils vont, là, tu commences à parler à des musiciens, ils commencent à comprendre ça. Oh, oh. Et en musique, on aime appeler ce genre de musique-là, c'est du trinaire, tu vois. Contrairement au Kaneka, qui est du ternaire, qui est très, voilà, influencé, voilà, par. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu rencontres beaucoup les frangins qui font du Kaneka, adorent le reggae. Parce que le reggae, c'est très ternaire aussi, ça parle beaucoup, tu vois. C'est tout ça. Ça ressemble, voilà. En effet. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ouais, c'est, en fait, c'est confus, c'est ça que tu veux me dire. Voilà, c'est ça. Et j'ai remarqué que vous chantez en ngoné aussi. Oui, voilà. En langue, c'est important. C'est un constat qui est fait. Parce que, vous voilà, chantez qu'en ngoné, d'ailleurs. Que en ngoné. D'accord. Que en ngoné, voilà. J'ai rien contre la langue française, ni la langue anglaise, ni toutes les langues du monde, hein, qui sont magnifiques et belles, d'ailleurs. Mais moi, je fais un constat, c'est parce que chez moi, on ne parle plus le ngoné. On ne parle que le français. Et à travers ces chansons-là, ben, je veux susciter non seulement la curiosité chez autrui, mais d'abord chez nos jeunes, qui, voilà, que dans nos échanges coutumiers, dans nos palabres coutumiers, là, voilà, le français est arrivé. Du coup, voilà.
Et ben moi, je dis, ben voilà, tous mes morceaux, toutes mes chansons seront composées en ingouane. D'accord. Et à moi ou à, d'expliquer si jamais ça suscite l'intérêt chez telle ou telle personne. Alors justement, ça pique ma curiosité, je n'ai pas la chance de parler d'ingouane. De quoi vous parlez dans vos chansons? Là, cette chanson-là, c'était la première chanson. Donc c'était Efewe, qui veut dire nous deux. C'est, okay. Je l'ai composée pour ma femme. Je l'ai écrite pour ma femme, en fait. Ok. Tout à l'heure, je parlais de, voilà, des questions des cotènes et tout ça. Bon, voilà, il y a les problématiques professionnelles. Aussi, il y a les problématiques familiaux. Mmh. Problématiques, entre guillemets. Mais bon, voilà. Mmh. Ici, tu peux pas. Voilà, nous, on a. Moi, je fais la musique, mais voilà, c'est ma femme, mon premier auditeur, ma première auditrice, quoi. C'est elle qui me dit, ben voilà, t'as chanté faux là, t'as mal joué de la guitare. Mmh. C'était pas bien, quoi. Mmh. Donc, il fallait que tu lui écrives une chanson. Voilà, fallait pas que je lui écrive une chanson, mais je l'écris pour dire, voilà, que, ben voilà, que serait l'homme sans une femme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà, au début de la création, il y a l'homme et la femme. C'est ouais, la nuit, la main gauche, la main droite. Ouais, voilà, tout ça. Tout à l'heure, on parlait de la lumière. Il y a la lumière et l'ombre. Les hommes de la lumière, les hommes de l'ombre, voilà. Qu'on salue au passage les hommes de l'ombre. Ouais, carrément. Sur ce plateau de Calédonien. Très, très important, très important. Et la seconde, pardon. Exactement. La seconde chanson. Que j'allais dire. Toujours la seconde hommage. Et les autres, de quoi voilà, elle parle? La seconde chanson, c'est une chanson que j'ai écrite spécialement pour mon papa et ma maman. Ok. Qui font que, ben voilà, si je suis là aujourd'hui, je m'assieds là et puis on peut converser tous les deux, c'est grâce aussi à eux. Donc la famille, c'est un thème voilà, important famille, dans vos chansons. Voilà, c'est un terme. Et puis voilà, après, les autres chansons, ben, c'est plus une musique de conscientiser les gens, comment on dit là, conscientisation. Conscientisation. Merci Élise dans mon oreille. Faire prendre conscience à un groupe, à voilà, des problématiques culturelles, sociales, et politiques, tu vois. Sans être pour autant me positionner en donneur de leçons, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Tu vois. Et voilà, c'est essayer de, voilà, faire réfléchir les gens. Voilà. Merci beaucoup, Yann. C'est l'heure maintenant de découvrir le magazine inédit de ce week-end. Samedi à 19h, c'est Histoire d'Histoire, avec une nouvelle présentatrice, Lou Lurde. Nous allons la retrouver dans quelques instants en direct de Nouméa. Mais pour l'instant, je vous propose de regarder et de découvrir cet extrait. L'écho de la France catholique était imprimé à Saint-Louis, où Luc Wadenedju remplit la mission de correcteur et de typographe pour le journal. Je m'appelle Marie-Othine Louamitan, mais tout le monde me connaît sous le diminutif de Titine. J'ai été élevée par Luc Wadenedju, qui était marié avec ma tante, qui était la sœur de ma maman. Voilà, j'ai grandi avec eux, quoi. C'est lui qui imprimait les textes, quoi, du journal. Nous, on allait l'aider pour le pliage, des pliages à la main. Et après, il a amené les journaux à la poste. Donc, c'était ça, son travail. Très bel extrait de ce nouveau magazine d'Histoire d'Histoire inédit ce week-end, samedi, à 19h. Je suis avec Lou, la présentatrice de ce magazine. Lou, bonsoir. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. On te savait derrière la caméra d'Histoire d'Histoire et tu passes maintenant à la présentation. Oui, tout à fait. Ça fait un peu plus d'un an que je filmais déjà l'émission. Et puis cette année, l'opportunité s'est présentée de la présenter. Et en tant que passionnée d'histoire, et puis notamment d'histoire du pays, j'ai accepté avec plaisir. Alors pour ton premier numéro, on l'a vu, tu nous invites à découvrir la presse calédonienne. C'est ça, tout à fait. Donc on est remonté loin, on est remonté jusqu'à 1853. Et puis on est allé jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour un petit peu décrypter tout ça. Et puis s'apercevoir qu'il y a eu énormément de différentes presses et de différents journaux. Donc 1853, c'est le premier journal calédonien ? Alors c'est pas vraiment un journal comme on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt un journal officiel avec une partie officielle qui rend compte des activités administratives de la Nouvelle-Calédonie et une partie non officielle, avec le mouvement des bateaux et compagnie. Et il faudra attendre un peu plus pour avoir vraiment un journal, comme on l'entend, qui s'appelait Les Petites Affiches. D'accord, avec un contenu plus journalistique, c'est ce que tu veux dire. Mais ça s'appelait Les Petites Affiches parce que c'était quand même beaucoup de petites annonces. Hein. C'était un peu le gratuit de l'époque. Le gratuit de l'époque, d'accord. Ouais. On l'a vu dans l'extrait, tu nous amènes à la rencontre de personnages, mais il n'y a pas que des personnages en chair et en os. Et non, le plus grand personnage de ce numéro, je pense que c'est quand même les archives, donc les archives des journaux,
On est allé tourner beaucoup d'heures là-bas à la recherche d'articles. On a fouillé, on y est retourné. Enfin, c'était jamais terminé. Je remercie d'ailleurs le personnel des archives qui nous ont beaucoup vus ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il y a une ressource quasiment inépuisable là-bas. C'est fantastique. Super. Bon, on a hâte de découvrir ça. C'est un magazine en tout cas en deux parties. Exactement. Il y a une première partie, comme je te disais tout à l'heure, qui brosse un petit peu la situation jusqu'en 1945. Et la deuxième partie, qui sera montée tout à fait différemment, puisqu'on sera quand même sur une époque un peu plus moderne, avec les années 70 et puis jusqu'à nos jours. Donc on aura tout couvert. Normalement, bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, c'est impossible. Ça devrait être bien. Et nous raconter l'histoire de la presse calédonienne. Merci beaucoup, Lou, de t'être rendu disponible. Et on a hâte de découvrir ton premier magazine Histoire d'Histoire. C'est samedi à 19h. Merci, Tata. Tata. Il est malheureusement bientôt l'heure de nous quitter. Mais heureusement, nous avons Steph avant de retrouver le groupe Toc en live. C'est l'heure du jeu Jingle. Steph qui vient de loin toujours. Oui, attends, faut juste que je fasse une petite mousse. Vas-y, je t'en prie, prends ton temps, parce qu'on a tout notre temps sur Calédonia, il n'y a pas de problème. Ah, celle-ci. C'est pas cette page. Non, parce qu'en fait, c'est très... Voilà. Super. Ok, vous êtes prêts, messieurs? Ah ben, nous, on attend que ça. Hein. Alors, dans, la continuité donc, de ma chronique Les Perles du Web, dans notre jeu, donc, vous allez entendre des extraits de chansons interprétées par des artistes internationaux durant cette période justement de confinement. Vous devez juste trouver de quel artiste il s'agit. Donc, c'est simple. Ça paraît c'est bon simple. Du coup, ils sont en confinement chez eux. Ils sont chez eux et donc ils ont interprété des chansons. D'accord. Ça a même donné des idées à certains d'entre eux, dont notamment la première chanson. Ok. Alors, c'est parti. La régie, merci. On envoie le son. Qui suis-je ? Ah, je l'ai. Non, je rigole. C'est en espagnol ? Non, c'est en italien. C'est... comment elle s'appelle ? Je ne sais pas. Je vais te donner la réponse. Donne-moi un indice. Vous voulez un indice ? Oui, on veut un indice. Alors, premier indice, voici ses yeux. Donc, c'est une femme. Lara Fabian. Mais si, c'est Lara Fabian. J'allais dire pas du tout ça. Donc, Lara Fabian, bon, un point, bien. Alors, super. Lara Fabian, la chanteuse belge que l'on connaît, un célèbre coach de The Voice. Alors, il faut savoir qu'à travers cette chanson, c'est le confinement qui lui a inspiré cette chanson qui s'appelle « Nos cœurs à la fenêtre ». Donc, en fait, elle rend hommage à quatre pays qui lui sont chers. Donc, la France, parce qu'elle y connaît un grand succès. L'Italie, elle a des origines italiennes. La Belgique, parce qu'elle est donc belge de naissance. Et le Canada, parce qu'elle vit à Montréal, tout simplement. Donc, elle vit à Montréal. Elle vit à Montréal. Donc, c'est un titre qui est disponible sur les plateformes donc, de streaming et de téléchargement depuis le début du mois d'avril. Okay. Et d'ailleurs, elle a fait appel aussi à ses fans pour qu'ils lui envoient des vidéos, parce que vous savez, tous les soirs, ils applaudissaient les personnels soignants. Et donc, voilà. On va regarder un bout du clip ? Allez, c'est parti. Non, rapide, mais je te regarde. Bah oui, parce qu'avec toi, toujours, il faut toujours être rapide. Bah oui, parce que moi, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de regarder le clip de Lara Fabian. Mais non, mais voilà, non, mais il est beau comme clip. Du coup, c'est bien de savoir, comme ça, je l'appellerai pas pour faire de la musique, parce que quelqu'un de spice dans la musique. Ah non, justement, faut pas l'appeler. Ça dépend quelle musique tu veux faire. Hein. Alors, est-ce qu'on entend ? Je l'ai vu passer en plus. Oh, on n'entend plus rien. Voilà. C'est un peu fort là, par contre. Baisse un peu. C'est mieux là ? C'est parfait, merci Steph. Donc du coup, elle a fait appel donc à ses fans et puis il y a aussi des célébrités qui vont y participer. Vous allez voir, super. Après je vais couper. Comme Eva Longoria et puis donc vous allez Eva voir. Eva Longoria, genre c'est sa pote. Eh ben ils ont participé à ce clip, donc voilà. Toc, on enchaîne hein, parce que tu vas dire que je prends trop de. Exactement, s'il te plaît. Voilà, donc c'est parti. Alors on peut envoyer le deuxième son. Merci la régie. Oh, c'est dur hein. Oh non, c'est pas dur. C'est pas dur, monsieur, tu connais la réponse. Bien sûr.
Alors, indice, mais l'indice, il est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Indice. Alors, je vous donne un indice. Alors, c'est parti. Indice 1, donc ce sont des tatouages. Mais attention, vous pouvez vous lever si vous voulez, parce qu'il y a écrit des... John, Luna et... Mills. Et Mills, c'est ses enfants ? Alors... Il est beau, ce tatouage. Voilà, et ça, c'est... Ça, c'est celui que sa femme s'est fait tatouer. Sa femme s'appelle Chrissy. Et elle, elle a la même chose, Chrissy, Luna et Mills. Ah, donc c'est John... Alors, il s'appelle John. John... John qui ? John... Un indice sonore, peut-être ? Ah, peut-être. Alors, allez, on envoie le deuxième indice. Merci, la régie. John Lennon. Ah non. Ouais, oh, c'est bon. Bah si, oh. Si, tu as raison. On peut... Écoute l'indice. C'est John Legend. John Lennon. Ah, tu as dit Lennon. Ah oh, non, Legend, bien, et vraiment de thune. J'ai dit John Legend en premier, après j'ai dit John Lennon, tu m'as dit oui, j'ai pas non, compris. Non, j'ai pas compris, tu m'as perdu, Effectivement, il s'agit de John Legend. Ok, super. Donc, All of Me, donc l'une des... Enfin, c'est une magnifique chanson qu'il a écrite d'ailleurs pour sa femme et qui est sortie en 2014. Alors, comme il ne pouvait pas donc être avec ses musiciens, donc il était chez lui, et voilà, on va regarder ce qu'il faisait chez lui. Donc, il chante. C'est parti. D'accord. En plus, je l'ai vu cette vidéo. Voilà. J'enchaîne. Ouais, la dernière, Steph. La dernière, ça veut dire qu'il faut que j'active, là. Ouais, ça veut dire que c'est la dernière. De toute façon, il y en a que... Oui. C'est bon, t'inquiète pas. Alors, on peut envoyer... Alors, attention, c'est compliqué maintenant, parce qu'il y aura deux voix. Donc, deux artistes. OK. Merci, la régie. Céline Dion, ça. Bravo. Donc il y a déjà Céline Dion. Adrien, vraiment. Hey, John Lennon. John Legend. Alors, indice. L'autre artiste, il est italien. Donc là, c'est le Colisée. Andrea Bocelli. Oui, Andrea Bocelli et Céline Dion qui ont repris la chanson de The Player, qu'ils avaient chantée d'ailleurs en 99. Donc ils ont décidé, ça y est, pendant ce confinement, de la chanter ensemble. Bah, ils ont fait appel, donc plus de 20 ans après, ils la rechantent. Et ils ont fait appel à leurs fans pour le clip. Ok. Donc je vais vite vous montrer quand même. On regarde vite fait, parce que après, du coup, tu peux aller t'installer, Yann, pendant qu'on regarde le clip. Ok. Pour le dernier live de l'émission. Ah, oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup. Ce n'est pas le clip. Le temps que Steph arrive à faire ce qu'elle veut, en plus, on est mal barré. Mais non, si, voilà. Oh, ah, ça y est. Arrête de te plaindre. Bon, c'est parti. Donc, c'est avec leurs fans. Et du coup, c'est une... Ah, c'est un karaoké, quoi. Voilà. C'est une vidéoconférence géante, en fait, avec leurs fans. Voilà, super. Magnifique chanson. Merci beaucoup, Steph. Merci. Merci Steph, et excuse-moi encore de te presser à chaque fois. Oui, moi je commence à avoir l'habitude. Hein. Merci beaucoup, merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans votre émission culturelle Yes Weekend. Et merci à votre groupe, au groupe TOC qui est venu sur ce plateau. Et Tata, à la semaine prochaine, c'est à vous. Then